Salut à toutes et salut à tous, c'est Lord Mazar, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième match contre un abonné, donc sur Hearthstone. Je rappelle bien entendu les règles, donc en fait, ça se joue en deux matchs. Donc, s'il y a égalité, on joue le troisième. Et voilà, sinon, ça peut jouer en deux matchs gagnants. Donc, c'est le deuxième abonné. Juste, mais c'est un peu. Voilà. Tac. Donc, c'est le deuxième abonné qui s'appelle Doom. Dume, je sais pas comment il prononce ça. Apparemment, il était très chaud pour me mettre une petite douille. Donc voilà, il a pas mal regardé ses cartes. Il était vraiment très chaud pour me mettre une petite douille. On va voir ça. On va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. Je sais qu'il a pas mal trié ses cartes parce qu'il a vu hier que j'avais un deck chaman. Sauf que j'ai monté un deck. Un deck mage. Entre-temps. Il est pas fini de construire. Enfin, il est fini de construire, mais il est très peu testé, donc je ne sais pas trop ce qu'il vaut. Donc voilà. Mon gamer tag, pour ceux qui veulent me défier, c'est Lord Mazar. Hashtag 2469. N'hésitez pas, c'est vraiment. Voilà, il n'y a rien de. C'est vraiment dans la bonne humeur, etc. Et voilà. Et après, vous soyez compétitif, justement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. En tout cas, il était très très chaud. Le premier abonné que j'avais, qui m'a défié, c'est Chrissy. Donc, je lui passe le bonjour d'abord au passage. C'est vrai qu'on avait fait 4 matchs. Et en fait, vu qu'on avait eu égalité, on avait fait le cinquième. Mais normalement, voilà, c'est vu que c'était le premier, etc. Mais normalement, voilà, c'est 2 matchs. Et s'il y a égalité, on joue le troisième. Et voilà. Donc, soit dans la vidéo, soit vous voyez les 2 premiers matchs. Soit vous voyez le troisième. Et voilà. Tout simplement. Ça me fait chier de jouer ça, mais bon, c'est pas grave. J'aime beaucoup la nouvelle map Gobelin. Je la trouve sympathique. Enfin, les maps en général sur Hearthstone sont assez jolies. C'est très, comment dire, très gay, etc. Donc je pense aussi ça fait. C'est ce qui fait largement, on va dire, le côté très attractif de Hearthstone. En tout cas, moi j'aime beaucoup. On va geler tout ce bordel. Beaucoup de râles d'agonie. Je ne peux rien faire, je suis baisé. Je suis complètement baisé. Cette carte aussi, qui est comme l'autre, quoi, qui est une putain de carte super forte. Eh non, je peux pas. Il y a ça qui.
J'essaye de gagner du temps, c'est super chaud. C'est vraiment super, super chaud. C'est vraiment histoire de gagner du temps, mais dans la logique des choses, il me bat et ça se joue vraiment à très peu de choses, quoi. Ça c'est sûr, s'il tue pas la 07, il est fumé. Enfin non, il est pas fumé, parce que non, au final ça changera rien du tout. Ça changera rien du tout, donc il est pas fumé du tout. Mais ça peut donner une nouvelle dimension au truc, quoi. Là ouais, ça se joue, ça... je suis baisé, ça se joue à 2 PV quoi. Et là... Soit je pioche deux cartes et je me dis la Wagba, soit... Pourquoi elle a pas... Eh oui... Fuck. Oh, l'erreur des caves que j'ai fait. L'erreur des caves. J'ai fait... La combe, parce que j'ai confondu en fait la carte avec le dragon qui a infligé 8. J'ai confondu la carte. Ah, c'est l'erreur qui va me coûter cher. Là, c'est... Là, c'est vraiment l'erreur. Dans tous les cas, je suis belle. Dans tous les cas, c'est You Are Dead. Ah, il a bien joué. Je vais... Je capitule, c'est en fait c'est pour pas lui faire voir directement les cartes que j'ai. Je vais reprendre mon jeu mage. J'ai fait la bête erreur que j'ai confondu les deux cartes. Pas sûr, en fait, pas sûr que ça aurait échangé quelque chose. Enfin, peut-être que si quand même. Peut-être que si. Là j'ai vraiment fait le boulet là, par contre. J'ai vraiment fait le boulet. Aïe aïe aïe. Il a pris Shaman. Je suis resté sur ça. Donc on va rester sur Mage. On va rester sur Mage. Et puis il a bien joué, mais ça s'est joué. Enfin, il y a eu un moment, une lueur d'espoir, mais ça s'est joué en fait. Vous avez vu, à un point quoi. Le truc con quoi. À un point de. À un point quoi.
C'est pas grand-chose, hein, mais c'est le 1 point qui fait toute la différence. C'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez? Après, je suis pas mécontent de mon jeu mal, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un jeu que j'ai fait ce matin, donc il n'y a pas de... Il est très peu touché, etc. Donc voilà quoi. Donc je regrette pas du tout le fait d'avoir pris mage. Surtout que je pense, vu les cartes qu'il avait sur l'autre, je pense que c'est pour ça peut-être qu'il a changé. Parce que j'avais plus de... Plus de trucs, je trouve. Invoque-moi un gros truc là. Mais je sais qu'il, c'est peut-être pour ça qu'il invoque pas un truc justement. C'est qu'il doit se dire que j'ai une carte à la con comme ça dans les mains, enfin en secret là. Ouais, ça il l'a fait exprès parce que c'est une carte réduite au serviteur. C'est vraiment tendu, hein, les gars. C'est vraiment tendu, tendu, tendu. Il sait, il sait, il, je pense qu'il sait le secret que j'ai. Je pense, hein. Après, vu que j'ai eu l'autre pendant très longtemps qui me permettait de pas subir les dégâts mortels, peut-être qu'il se dit que c'est ça, vu que je l'ai depuis un moment. Mais je pense, moi, je pense que la première créature qu'il va mettre, c'est une créature à la con. J'en suis quasi sûr. Ça, c'est clair et net. J'en suis quasi sûr qu'il va mettre un truc complètement bidon exprès pour que ça copie un truc. Voilà. Il a copié un truc bidon. Ouais, et là, il va mettre. Ah ouais. Il a tout intérêt à faire ça. Faut que je tienne 3-4 tours. Si je tiens 3-4 tours, il y a peut-être moyen. Parce que ça va aller très très vite. Surtout que lui pioche des cartes, moi pas. Donc
C'est assez chaud, mon pote. Et il va me mettre cher. Aïe aïe aïe, bah pour vous dire en fait je vais laisser la vidéo tourner comme ça vous allez voir les trois matchs parce que c'est quand même des matchs qui se jouent limite au point par point quoi. C'est super chaud. Et cette fois-ci je vais choisir mon deck shaman. J'ai fait deux parties avec mon deck mage. Et je vais prendre mon deck shaman. C'est celui-là que je sais le mieux jouer, mais ça veut pas dire que c'est celui-là. Je sais que c'est pas bien parce que je garde des cartes à fort PV, mais bon. Enfin, fort mana. Bon. Là, peut-être qu'il s'est dit, vu qu'il a pris deux fois le jeu mage, je reprends celui-là avec qui j'ai gagné le jeu mage tout à l'heure. D'avoir des grosses cartes en main. Des grosses cartes. Pas le truc le plus utile, mais ah, quoique. Mais je l'ai pas vu tout à l'heure mettre. Enfin, il a mis des petites créatures, mais c'est qu'après d'un bloc, dès qu'il a eu, qu'il commence à avoir 5, 6, 7 manas. À partir de 5 manas, c'est parti en couille largement donc. Pour l'instant, je mets à rien du tout. Je garde vraiment. Même s'il m'inflige 3 PV, etc. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. En fait, le but là que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer qu'il mette énormément de trucs sur le tapis en fait. Pour tout lui balancer vraiment, vraiment dans la gueule au bon moment. C'est vraiment, 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 vraiment ce que je vais essayer de faire quoi. C'est pas grave, si je sais qu'il va mettre 6, 7, même ouais, peut-être même 10 points dans la gueule là d'un coup. Parce qu'il va faire ça, donc ça va infliger 2. Enfin bref. Là je le sais, c'est voilà.
faire que faire, ça c'est sûr. Doit se demander là. Doit se demander ce que je fous. Là, chez qui il va. Il va se remettre plus deux, je pense. Oui, il va mettre deux à celle-ci là. Ah, mais c'est pas vrai, sérieux. Putain, sur les cartes qu'il faut pas, et bah ça met celle-ci. Putain de what the fuck, quoi. Oh, sérieux, quoi. Il y a une carte qu'il faut pas, que le truc qui vise, et bah ça met celle-ci. C'est incroyable, ça. Putain. Ah ouais, j'ai eu 2-3 coups là, mais fuck ta race quoi. Putain. Il doit se dire putain, il doit se foutre de ma gueule le mec là. Il doit dire putain, le mec il a pas de chance quoi. Ouais, surtout bah ouais. Donc là il peut les jouer direct, je crois. En plus de ça, donc là il va niquer celle-ci. C'est clair et net. Ça c'est clair et net. Il y a qu'une carte qui pourrait me sauver. Pour vous dire. Je l'ai pas encore eu. Et pourtant, je crois que je l'ai une ou deux fois. Donc c'est même bizarre que je l'ai pas eu. Il me manque un PV. Sérieux? Il me manque un PV. Ah là là, le manque de chance, putain! Oh putain de merde! Ah merde, comment c'était chaud! Putain, là c'est là qu'il fallait avoir le coup de chance. Putain, merci Seigneur de Hearthstone. What the fuck? Ah, il doit être vert! Ah putain.
Bah, voilà les amis, bah franchement j'ai eu le coup de chance ultime on va dire, là pour le coup, vraiment le coup de chance, franchement j'avais suivi 2-3 malchances on va dire, mais là c'était le coup de chance. Et voilà, bah j'espère en tout cas cet épisode vous a plu, en tout cas je remercie Dum, je sais pas comment tu prononces, d'avoir participé, et franchement ça fait plaisir, donc n'hésitez pas, Lord Mazar, hashtag 2469, comme vous l'avez dit, deux parties, la troisième si égalité, il n'y a pas de souci. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à m'inviter, à me défier, il n'y a pas de souci. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Je vous fais de gros bisous. Allez, tchuss, les amis.